Thank you.
Si vous invoquez comme père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine,
heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré ? Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, les femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ?» Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Frères et sœurs, le récit des pèlerins d'Emmaüs que nous venons d'entendre est sans aucun doute l'une des plus belles pages de l'Évangile. Et il peut nous toucher profondément pour la mesure où il nous fait passer de la tristesse à la joie, du découragement à l'espérance, comme lorsqu'une bonne nouvelle succède à une mauvaise nouvelle. Certitude que Jésus est mort. Il nous est plus
comme les disciples, de croire en sa résurrection, en particulier aux œuvres lourdes de notre vie. Quand ici bien, au fil des années, notre vie de foi se fait mélange de croyance, de presque certitude, d'espérance, mais aussi de doute et de peur. Nous pouvons alors être conduits à porter un piètre jugement sur notre qualité de croyant, de disciple de Jésus. Pourtant, frères et sœurs, telle n'est pas l'attitude du Christ avec les disciples d'Emmaüs découragés. Même la maison de Dieu s'y s'étonne de leur lenteur à comprendre le sens des Écritures, il ne les juge pas. Mais il prend à nouveau le temps avec eux de rompre la parole et le pain pour qu'ils le reconnaissent et qu'ils recouvrent l'espérance. Bref, Jésus prend le temps de faire route avec eux. Cela nous rappelle, frères et sœurs, que depuis notre père Abraham, la foi est toujours une route, un chemin, un pèlerinage, c'est-à-dire le contraire d'une attitude assise, baignant dans la certitude. À l'appel de Dieu, Abraham partit sans savoir où il allait, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et Saint Grégoire de Nice, un père de l'Église du IVe siècle, de commenter ce passage de l'Épître aux Hébreux en disant: et c'est parce qu'Abraham ne savait pas où il allait qu'il savait qui était dans la vérité. Autrement dit, frères et sœurs, qu'il allait dans le bon sens. Ainsi donc, quand je dis route, je dis aussi une part d'inconnu. Nous sommes ici-bas en étranger, nous a rappelé l'apôtre Pierre dans la deuxième lecture. Et donc, des étrangers confrontés ainsi à l'inconnu de la route, mais aussi aux inconnus que nous rencontrons et qui peuvent nourrir notre foi ou la remettre en question. De même, quand je dis route, chemin, je dis espérance, mais aussi inquiétude. La foi, frères et sœurs, est toujours espérance et inquiétude, c'est-à-dire toujours en mouvement et non quelque chose de statique, de figé dans un cadre totalement défini une fois pour toutes. La foi, c'est au contraire la prise au sérieux de l'aventure, de l'inquiétude, de la recherche humaine, une recherche qui se fait avec d'autres et pour d'autres, qui se nourrit de la rencontre avec les autres, mais aussi de la rencontre avec d'autres cultures, d'autres civilisations, d'autres religions que la sienne. Ainsi, dès l'origine, la foi chrétienne ne pouvait se passer de la reconnaissance de la foi de nos frères juifs, avec lesquels Dieu a scellé la première alliance, foi dans laquelle Jésus a grandi et qui lui permet d'expliquer aux disciples attristés tout ce qui le concernait dans l'Écriture, en partant de Moïse et de tous les prophètes, tout comme l'apôtre Pierre, au jour de la Pentecôte, explique aux Juifs ce qui est arrivé à Jésus à partir d'un psaume de David, comme nous l'avons entendu dans la première lecture. Cela étant dit, frères et sœurs, cette route de la foi qui se veut aventure, mouvement, rencontre de l'inconnu, de l'autre et des autres, connaît aussi nécessairement la nuit. La nuit, les heures sombres, lorsque plus rien ne se passe comme prévu, comme souhaité. Nos deux disciples sur la route d'Emmaüs avaient tout gâché, tout misé. Et voilà qu'avec sa mort, tout semble s'effondrer. Ces deux-là ne marchaient pas simplement dans le crépuscule du jour qui baisse, mais aussi dans le crépuscule de leur pauvre vie. Ils s'estimaient peut-être
cloué, trahi, et il fuyait Jérusalem. Or, c'est un peu notre cas à nous aussi, lorsque tout à coup, dans notre vie, rien ne se passe plus comme prévu, quand ce sur quoi nous avions misé ou espéré s'effondre. Des enfants ou des petits-enfants qui perdent la foi, un mariage qui se termine par un divorce, une vie professionnelle qui s'échoue faute de travail ou de relève, une vie fraternelle, communautaire, ecclésiale, paroissiale, déchirée, minée par les divisions, une église elle-même fragilisée par les abus et qui s'amenuise. Bref, la liste pourrait être très longue de tout ce qui peut dans une vie venir ébranler la confiance mise en des personnes que l'on aime, voire même notre confiance en Dieu. Nous pouvons alors passer par des doutes, voire des heures sombres. C'est alors qu'il se fait tard. Pourtant, frères et sœurs, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ? Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ? Ne faut-il pas, parfois dans la vie d'une femme, d'un homme, que le cœur s'ouvre à toutes les dimensions de l'existence et qu'il ou elle passe en particulier par des moments de souffrance ou de solitude, non pas par délectation morbide, mais pour s'unir plus intensément à toute l'aventure humaine comme le Christ l'a fait pour nous. Or, même dans le deuil le plus opaque, nous savons bien qu'après les larmes confondues aux larmes, il y a comme une perle de lumière toujours possible pour venir réchauffer notre cœur. C'est alors que le jour se lève encore. Voilà, frères et sœurs, ce que Jésus est venu dire à nos deux pèlerins, nous dire ce matin. Allez au profond de l'existence pour être pèlerin de l'amour. Et vous vérifierez que l'amour donne sens à toute souffrance, à toute blessure, à tout échec, à toute trahison. N'est-ce pas, bref, ce que nous fait vivre chaque dimanche la liturgie de l'Église qui a pour première tâche de nous ramener inlassablement sur le chemin pascal ouvert par le Christ, là où, comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain, afin que par lui, avec lui et en lui, nous consentions à mourir pour entrer dans la vie. Ainsi, remontés du séjour des morts avec le Christ, nos cœurs purifiés par le sang de l'agneau, puissions-nous devenir et être nous aussi, frères et sœurs, des Christ qui faisons route, des Christ en chemin qui savent accueillir sans jugement et redonner espérance à ceux et celles qui ont été blessés dans leur confiance. Redonner espérance à tous les blessés de la vie, pour leur signifier, par notre humble présence, que Dieu n'abandonne jamais ses amis à la mort, et leur permettre ainsi de chanter de nouveau un jour au Seigneur. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Amen.
Passionibus, quae et
cet omul qui fait fonder une rémission de peccato. Hoc facit ei meam commemoratio. Salutare, Custodie Divina, Instituzione Formati, Odemus Dirigens.
regnasi in secula seculorum.
Domnum tuum, Iisus, Domnum.